Je vous dis merci. Je dis grandement merci à tous ceux qui m'encadrent. Robinson Pifo. Robinson Pifo est un fin stratège, les amis. Robinson Pifo est un stratège. Je vous explique. Mais avant de vous expliquer, j'aimerais que vous écoutiez le génie des génies, génie solo. Le génie en solo guitare. Écoutons-le. Je ne vois pas, mais je suis beau. Je n'y suis non beau garçon. Beau garçon, je n'y suis non beau garçon. Merci, salut, salut. C'est mon artiste, Génie Solo. Auteur, compositeur, chanteur. Je vous dis merci. Je dis grandement merci à tous ceux qui m'encadrent. Je dis 10 fois merci à Papa Bifo. C'est le Seigneur seul, tout puissant, qui doit vous bénir, Bifo. Vraiment, ce que vous êtes en train de faire pour moi, Bifo, Dieu avec vous. Ça fait plus de 26 ans que moi je chante. Vraiment, je n'ai jamais eu ce genre de position. Même si je ne vois pas, je suis au courant de tout. Merci beaucoup. Et je voulais dire merci à tous ceux qui partagent ma musique. Les artistes, les influenceurs, avec les danseurs, les managers, avec les journalistes. Merci beaucoup. Je vous dis merci. Un grand merci au public qui m'a adopté. Je serai toujours avec vous. Je dois vous servir la bonne musique. Merci beaucoup. Je dis merci à mon public. Sans mon public, ce n'est rien. Très bien. Merci, Génie Solo. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour la nation camerounaise. Je pense que Dieu est en train de nous passer, de passer un message fort au monde à travers toi. Dieu est en train de nous passer, nous dire que dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. À tout moment, la vie peut changer. Tant que tu vis, tu dois garder espoir, tu dois prier, tu dois continuer à bosser. Tu ne dois jamais rien lâcher. Ça, c'est le message que Dieu nous envoie à travers Génie Solo. Génie Solo, que Dieu te protège. Et vraiment, chaque chose a son temps, a son heure. Alors maintenant, je parle maintenant de Pifo, que j'apprécie déjà d'ailleurs. Vous avez vu tout ce que Pifo est en train de faire pour Génie Solo. Vraiment, mon frère, bravo. Bravo, ça c'est un travail très lourd. Les gens ne peuvent pas imaginer. Est-ce que vous savez que tous ces gars-là me suivent en sous-marin, mais font semblant? Parce que ce que Wax D est en train de faire, c'est à 50% mes multiples sorties que j'ai eu à faire. Ce que Robinson Pifo est en train de faire, pour ceux qui me suivent attentivement, et ne parle pas des gens qui viennent s'amuser en commentaire sans même écouter la vidéo. Pour ceux qui me suivent vraiment, vont comprendre que la stratégie que Pifo est en train d'appliquer maintenant pour sortir Génie Solo est vraiment du noir. C'est l'une de mes sorties que j'avais fait. J'explique et vous comprenez. Pour ceux qui me suivent depuis, vous allez me dire si je mens ou si je dis la vérité. Et vous allez confirmer que ces gars me suivent en sous-marin. Alors, souvenez-vous, je vais commencer par Wax D. Quand Wazdé a annoncé, quand la toile ici brûlait, que Wazdé avait dit que si Prince Aimé fait 4 millions de vues en 24 heures, il offre une voiture de 30 millions. Nous avons vu ça, nous avons vu l'information ensemble sur la toile. Plusieurs personnes ont fait des posts pour dire non, la voiture ne sert à rien pour Prince Aimé. C'est mieux de lui construire plutôt une maison. Moi, j'avais fait ma sortie en disant la voiture est aussi importante parce que la voiture donne le charisme à l'artiste. Mais Prince Aimé n'a pas besoin d'une voiture de 30 millions. À chaque fois, j'avais même pris référence à ma petite RAV 4 que j'ai en disant que j'avais même acheté ça à 6 millions. Si tu veux acheter même la version 2008-2010, souvenez bien, je ne vais pas seulement aller couper la vidéo pour que ce soit long. Pour ceux qui me suivent savent que j'avais dit ça. Si tu veux acheter une petite voiture, ou bien un peu comme la mienne même là, et maintenant le reste d'argent, tu le construis une maison avec. Vous voyez que c'est ce que Wax D a appliqué. Petite voiture de 8-10 millions. Et il a annoncé le projet de construction de la maison de Prince Aimé. Souvenez-vous, quand l'affaire Prince Aimé chauffait avec des Bordeaux, les confins. Quand ça brûlait, quand je faisais la vie publique des Bordeaux. Toi, tu dois venir au Cameroun voir Prince Aimé. On disait que non, oh, c'est Prince Aimé qui doit se déplacer et tout. Bon, vous vous rappelez, quand Malof nous faisait comprendre qu'il avait déjà
où c'était 500 000 qu'on l'avait envoyé, un iPhone et un terrain de 500 mètres, je ne sais pas trop où tout ça est même passé, où, je ne sais pas. Je ne sais pas où est passé l'iPhone, ni où le terrain, ou les 500 000. Bref, ce n'est pas ça l'objectif de la vidéo. Je voulais juste vous rappeler que la période là, j'avais demandé à Malors, souvenez-vous très bien, de lancer une cagnotte pour Prince Aimé. Parce que c'est la période où les gens étaient motivés à soulever Prince Aimé. Et moi, je connais ce que c'est. Je connais ce qu'on appelle le temps des baisses. Parce que beaucoup sont populaires sur les réseaux sociaux, mais ils n'exploitent pas leur popularité. Moi, je sais exploiter cela. Et j'avais demandé à Malors, j'avais fait une vidéo, c'est comme si tu ouvres une cagnotte, moi, il donne d'abord 100 000. Souvenez-vous très bien, ouvre une cagnotte pour construire la maison de Prince Aimé. Si c'est moi qui avais ce projet-là, c'est qu'aujourd'hui, où on parle là, la dalle de Prince Aimé est en train de... C'est qu'on est en train de couler derrière la dalle de Prince Aimé, je vous dis une vérité. Parce que c'est la période là que j'ai demandé à Malors qu'on ouvre rapidement une cagnotte. Pour Prince Aimé, les gars étaient prêts. Mais j'ai eu à présenter les cas de maladie, les cas de personnes en détresse, et c'est là sur ma page. En un mois, vous avez vu ce que les gens ont fait. Pour les non-names, les gens que personne ne connaît, personne ne connaît même. Quelqu'un comme Prince Aimé, et la pelouse, ça brûlait. C'est-à-dire que les gars étaient prêts à débloquer. Quelqu'un était même prêt. Il y avait les gars qui étaient prêts à envoyer même 2 millions, même 1 million pour Prince Aimé. Mais Malors n'a pas fait ça. Il a préféré faire le clip. Oui, le clip était aussi bien parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce que Wasd fait. C'est grâce au clip. Parce que s'il n'y avait pas de clip, Wasd ne serait pas là. Même sa tournée qu'il va faire en Europe, c'est grâce au clip de Malors. Oui, je ne suis pas en train de dire qu'il avait aussi mal réfléchi. Mais ça ne lui coûtait rien de lancer une cagnotte et de faire le clip. Comme je lui demandais de faire. Et vous voyez qu'aujourd'hui, Pifo avait certainement suivi ma vidéo. Il a seulement mis ça dans quelque part. Il a dit, ok, au moment venu, je vais appliquer ce que Franco, parce qu'il a été développé un esprit bien. Il comprend le game. Alors, en ce temps-là, Génie Solo, un non-aime. On connaît Génie Solo dans le buzz, que oh, Prince Aimé, c'est mon son et tout. Pifo a pris son temps. Il a mis son énergie et son argent. Il a investi sur Génie Solo. Il nous a apporté quelque chose de waouh. Parce que le clip de Génie Solo est très, très nyanga. Alors, le gars a commencé par là. Parce que s'il commençait à dire que la cagnotte pour Génie Solo, qui devait dire que pas bouge. Génie Solo, c'est qui? Le gars nous balance d'abord le son. Ça touche d'abord les cœurs. Tout le monde y a mon Génie Solo. Et on découvre vraiment le talent de Génie Solo. Et aujourd'hui, Génie Solo est entré dans les cœurs des Camerounais. Vous allez voir ce que les Camerounais vont faire pour Génie Solo. Dès que Pifo a réussi son clip, pap, voilà la cagnotte qu'il ouvre. Non? Voilà la cagnotte qu'il ouvre pour construire la maison de Prince et de Génie Solo. Non? Vous allez voir la maison que Pifo va faire. Et actuellement aussi, Wasd, tu es mort. Parce que, Pifo est en train de te mettre alors vrai au travail. C'est maintenant alors que tu vas faire ta démonstration de force. Parce que si tu ne fais pas, nos regards maintenant sont sur Pifo et toi. Malors s'est retiré dans la fessière. Il est le tranquille depuis. Depuis que Wesley est arrivé avec papa. Prends ça. Je ne suis plus. Yeah, il a fini ma part. Donc même si ça cuit, ça monte, ça. Malors a fait sa part. Il a réalisé son clip avec les 5 grosses têtes comme il disait. Et maintenant, Wesley a récupéré. Gâteau s'est retiré. Ou c'est Easy Consulting s'est retiré. Maintenant, c'est Wesley seul que tout le monde regarde. Donc, papa, là où tu es là, tu as chaud. Si tu ne construis pas la maison de Prince Aimé, tu es très... Parce que Pifo, moi, je sais que Pifo va le faire. Et les gens vont cotiser. Parce qu'il applique une très bonne stratégie. Et il va réussir. Déjà, même qu'il est même, il est en train de réussir déjà même à 75%. Il ne lui reste que 25%. Ça ne peut pas dépasser Pifo. Et les gens vont encourager Pifo parce qu'il a fait, on a vu. C'est de ça qu'il s'agit. Mais j'avais fait la vidéo, j'avais demandé à Malors. Fais ce que Pifo est en train d'appliquer maintenant pour Prince Aimé. Parce que tout ce qu'on fait là, tout le bruit, tout le tapage qu'on fait là, l'objectif, c'est l'argent. La fin de tout ça, c'est le bien-être de l'artiste. Parce que si Prince Aimé parle, oh là, c'est mon artiste, oh la star, machin, tout ça, ça ne lui donne pas à manger. Même s'il fait les tournées, même si c'est où, même si c'est chez Poutine là-bas. Il revient 105 francs dans ses poches, c'est zéro. Mieux, il fait même ses tournées dans les bars, les restaurants ici au Cameroun. Et il a l'argent. L'objectif, l'essentiel, c'est les dos. Et c'est ça qu'il demandait à Malors, le gars.
profite de ces moments-là pour faire remplir le compte de Prince Aimé. Mais, hélas, si c'est moi, je vous dis que si c'est moi qui avais ce projet, toi, c'est l'histoire qui est faite pour Prince Aimé. Vous êtes tout le monde Wanda seulement. Pas les trucs que vous voyez, les trucs blagues, les histoires, et voilà. C'est actuellement si. Et si, si Malof ouvrait la cagnotte là, c'est que le compte de Prince Aimé actuellement, c'est au moins même à 100 millions. Je ne vous manque pas. Les seuls gars étaient prêts à soutenir Prince Aimé. Même les Ivoiriens étaient prêts à. Mais tout ce qui s'est passé encore après là, tout ça là, vous voyez que le buzz est fini comme ça. Il faut. Bravo. Et que Dieu te bénisse pour ce projet-là. Je t'encourage vraiment. Jenny Solo, bon vent. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Like. Lâche-moi un commentaire si possible.